Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Captain Huff Industries avec un but, un objectif dans l'épisode aujourd'hui. Démarrer le recyclage. La deuxième étape, hein, puisqu'on aura aussi des gaz et des échappements de gaz là, à faire plus tard. Et surtout, commencer à saturer en fer, en acier et en cuivre cette zone-là pour qu'elle tourne en permanence relativement fort. Actuellement, on est limite en maintenance, limite en carburant. Pour le coup, j'ai quand même été réactivé ici parce que sinon, ça ne marchera pas le carburant. On n'en aura plus du tout. Là, j'ai changé certains trucs. J'ai remis les décrets là. Et je vais stopper la croissance. J'ai pas besoin d'avoir autant d'ouvriers. Je me demande même si je pourrais pas en expulser un petit peu pour être plus tranquille. Ça remontera plus tard. J'ai aussi été mettre quelques camions un petit peu partout. Ici, j'ai augmenté le nombre de camions, de véhicules pour faire du charbon. Là, j'en suis où? Là, je vais mettre un camion. Là, je vais en enlever un. Là, je vais en mettre un. Hop là. On est parti. Ici, on va changer pas mal de petites choses ici. Notamment, là, je voudrais faire une rampe ici. Pour faire un passage. Ici, ah oui, si j'ai changé un truc sympa. Ici, j'ai réactivé la possibilité de déposer des choses, mais je n'ai activé que les déchets. Ce qui fait que techniquement, il n'y a que lui, la pierre, tout ça, ils vont pas pouvoir l'amener. Mais au moins, les déchets de la ville seront déposés à côté, ce qui soulage un peu les camions qui devaient les déposer à perpète. Du coup, il n'y a qu'un camion qui s'occupe de ça. Moi ici, j'avais envie de remplir jusqu'à 6, quitte à creuser un petit peu plus tard. Parce que là, je trouve qu'on circule pas bien. Là, ça m'inquiète un peu parce que je vois qu'il monte par là. Alors, tant que j'ai pas fait mon chemin ici. Et du coup, j'en profiterai pour creuser là. On va faire ça. C'est toi qui vas le faire. Voilà, on peut déposer de la terre, pas de souci. Par contre, du coup, ici, là, on va élargir cette zone. Sinon, ça va piquer. Voilà. Est-ce que je suis obligé de partir de là? Je peux partir de là quand même, en fait, en vrai. Voilà. D'ailleurs, ici, je pourrais remplir un petit peu plus, si je le souhaitais. Et descendre comme ça. Ensuite, bah c'est tout. Là, il n'y a rien à changer. Si ce n'est que si, là, la montagne, de toute évidence, on peut la creuser en ligne droite jusqu'ici. Même là, ça sera du 3 au moins jusqu'ici. C'est sûr qu'on va nager dans la pierre. D'ailleurs, là, ça peut être du 3 aussi pour tout ça. Et là, j'ai l'impression que ça va être du 3 aussi. Au moins pour ça. Du coup, je vais pas laisser un petit coin comme ça. Ça paraît pas propre. Bon, on est pas mal. Ici, on va enlever quand même pas mal de monde. On va en laisser plus que 2 avec 4 camions. C'est déjà bien. Ici, on va même. On va laisser les 4 camions. Ici, je vais mettre deux personnes avec trois camions. Dans deux camions, ça suffira. Et ici, je vais mettre trois personnes avec trois camions. Alors, ici, on va changer. Oui, je sais, 2 secondes. Voilà, on va faire ça. Du coup, là, je vais quand même vite enlever ça avant qu'ils viennent me déverser des déchets, même si j'ai l'impression que ça soit pas possible. Et là, je voudrais que tu me creuses tout ça à 5. Parce que mon centre de tri des déchets coûte 400 constructions, 3.
Alors, vous allez me croire si vous voulez, mais j'ai pas du tout envie de le faire à un endroit puis de le déplacer à un autre et que ça m'en coûte 80 au passage. Hein. On perd 20%. Ça pique un tout petit peu. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Bon ben voilà. Pour l'instant, rien de spécial à dire là-dessus. Hein. On en reste là. Toute cette terre, faudra bien la déverser quelque part. Oui, bah ils vont venir déverser ici. Pour l'instant, on est bien. Moins 4,27, moins 4%, moins 67, 190 ouvriers, je pense qu'on est bon. Par contre, on manque toujours de. Alors attendez. Il y a pas mal de choses. Ici, il faut visiblement un troisième bonhomme. Le charbon. Le charbon, on peut virer. Ici, parce qu'on amène du charbon ici, à partir de tout là-bas. Alors qu'en réalité, les briques et le ciment ici n'en utilisent presque plus. Donc en fait, en réalité, il va tout là. C'est-à-dire à mi-chemin. On le fait faire ça pour qu'un tapis le ramène ici. Excusez-moi, mais non. Désolé, mais non. On va le laisser se distribuer. Tranquillement. Mais pas ici. Parce qu'ici, de toute façon, il ne va rien distribuer du tout. Donc ici, on va même pas affecter quelqu'un. On va agrandir ça. On va lui dire, garde-moi bien plein. C'est super important. Quelqu'un viendra bien en remettre. Ah, j'aurais pas dû enlever le tapis. Vu qu'il l'a gardé. Donc on va pas faire la même erreur ici. Voilà. On est d'accord que non, 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 il n'y a plus de garder plein, pouf, pouf, pouf. Voilà. Non, on n'en apporte pas, non, on vient pas vous prendre. Pourquoi il n'y a pas de charbon ici? Ok, ici, on a un gros problème. Si on ne met pas ça à jour, les chances pour que on arrive à faire passer 216 par minute ici sont super réduites. Mais vraiment super réduites. Et d'ailleurs là, toi tu n'acceptes pas les chargements de produits uniques, c'est bien dommage parce qu'il n'y aura pas d'autre endroit où aller le mettre. Techniquement, on pourrait le mettre dans le broyeur plutôt que dans le trieur. Je pourrais faire un truc qui réceptionne ici, qui renvoie là. Mais non, on n'a pas le droit. Si, si, on a le droit, pardon, si c'est des chargements uniques. Oh là là. Les chargements uniques de fer vont pas me gêner du tout. Condition que ce soit des chargements uniques de fer. Bon, c'est pareil là, ça. Hop. On n'en utilise presque pas des secours ici. Gardez-moi bien plein. Pour le coup, j'ai détruit le tapis avant, encore une fois. C'est hyper important. Ça devrait suffire. Ou alors, je peux annuler le tapis. Le temps que monsieur se remplisse. Est-ce qu'ici le charbon il s'est rempli? Le charbon il est rempli. On va pouvoir détruire ce tapis-là. Et ça du coup. Et du coup ça aussi. Est-ce que t'es vide toi? T'es pas tout à fait vide, on peut pas dire ça. Bien, ici ça donne quoi? Est-ce qu'ils m'ont fait les tapis? Ils m'ont pas fait les tapis. Faut tout faire soi-même ici. Donc je vais faire un côté et tout de suite après je vais faire l'autre et je vais m'expliquer.
Ah, par contre, il y a un truc que j'ai fait qu'il va falloir casser. C'est pas de bol. C'est ça. Parce que j'ai vu que la sortie de ça, c'est en face des tapis, là, que clairement, on va utiliser l'autre. Après, ceux-là, s'ils s'upgradent pas, c'est moins grave, hein, c'est la terre. Hein. C'est pas la fin de la vie. Bon, qu'est-ce qui se passe si le drac rousse assigné à valider? Bah oui, je sais. Ça, c'est moi qui l'ai fait, mais il veut pas virer le charbon qui est dedans. Parce qu'il veut pas produire. Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va qu'il y a trop de pierres à un moment. Et les camions n'ont plus de carburant du tout, du tout, du tout. Il n'y a plus de maintenance, il n'y a plus rien, tout va mal. Ok, on va gérer. Il y a sûrement un raccourci pour aller là. Je le connais pas. Oui, c'est bloqué, c'est la pierre là. Il y a 6 camions qui les vident. Et c'est encore bloqué. Ah, c'est peut-être aussi déjà à cause de la vitesse à laquelle tu ne le vides pas, mais de toute façon les camions ils viennent pas donc. Voilà. J'imagine que tout est venu là-dedans, bah oui. Le gros stockage de pierre. Bon. Alors on va broyer. Là on reçoit tout ce qu'il faut. Ah ouais, on a déjà pas mal de déchets à virer. Ça c'est fait et c'est évidemment au détriment de ça. Retourne-toi, petit scarabée. Faut que je fasse attention à mon outil parce que là j'en perds. Mais ceci dit. Simplifions-nous quand même un peu la tâche là. Parfait. Moi je dis parfait parce que selon moi ça tourne ici. Même si tu dis que t'as trop de terre. Parce que t'as pas de camion pour les virer. Moi je dis que ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Parce que tu devrais pas recevoir tant de terre que ça. Par contre, ici, si t'as pas un petit bonhomme pour te fournir, ça va être chaud, hein. Surtout qu'ici, on a mis un petit bonhomme pour vider. Bon, dans l'idée quand même, moi, je vais tout débloquer ici. Je veux pas faire d'acier, donc techniquement j'ai pas besoin de faire ça tout de suite. Il y a peu de chances que tout tourne, j'ai pas besoin de faire ça. Ça sera déjà largement suffisant si je fais tout ça. La priorité c'est ça, mais juste après ça sera celui-ci, celui-ça. Ou celui ça et celui-là. Hop, ici. La grande cheminée. On va essayer de caser ça pas loin. Techniquement, ça a l'air de passer, la collision avec les minerais. Collision, collision. Pas de collision, tiens.
Ok. Là, il y a un poteau qui m'embête et là, il y a des piliers qui m'embêtent. Ok. Tout cela est très mal fait. Parce que là, ça va avoir du mal à passer. C'est chaud. Très bien, donc on va ici faire le convoyeur 2. Mais jusqu'ici. Voilà, comme ça, je peux supprimer le poteau. Ça, je le recommence, c'est raté. Hop là, on remet en route, on remet en route. Cette partie-là, c'est fait. Que je veux éviter qu'il y ait trop de poteaux, je veux que les trucs puissent circuler ici. Voilà. Là, je pense que ça passe en diagonale. Non, il y a vraiment trop de poteaux. Là, il y a un poteau en trop, là. Celui-là, faut me le virer. Voilà. Là, c'est sûr, ça passe. On va pouvoir se débarrasser de nos fumées ici. Bon, maintenant, il faut se débarrasser de notre azote ici. Parfait. Bon. Le silo de vrac, tour de mine. Ok, tout ça me va. Lui doit être vide maintenant, très bien. Au moins le silo de vrac, il nous embête plus. La tour de mine, c'est ici. Elle a plus rien à creuser, c'est ça. Donc on peut lui enlever les deux camions, les deux trucs et les mettre à côté. Ou ici. Parfait. Par contre, ça va continuer à venir déposer. On est d'accord sur ce point. Parfait. Ici, là, c'est pareil. C'est en train de faire une pseudo-remplat. Là, ça a creusé. Que ça vienne creuser ici pour que je voie si ça vaut le coup ici. Alors je sais qu'il n'y a pas de maintenance, mais dans les faits, il n'y a rien qui tombe en panne. On fait pile poil la maintenance qu'il faut. Mais on fait pas de science. Mais c'est parce qu'on n'en voit pas assez de fer. Ouh là là, le charbon, j'ai tout cassé jusqu'ici. Donc ici, on va te mettre un petit bonhomme pour garder plein. Hein. Faut garder espoir. Et maintenant, on sait que vous êtes trop aussi. Je m'en doutais. Bon. Ah, j'ai une tour de mine ici qui sert à rien. J'en ai un peu partout des tours de mine, ceci. Tout ça va certainement être construit grâce à de l'Unity. Là, par contre, j'ai 49. On doit pouvoir finir ça. Du coup, la priorité maintenant, c'est ça. Alors, j'aimerais bien faire tous les petits tapis et tout d'abord. Parce que sinon, après, on est tout excité de lancer le truc et il n'y a rien qui marche.
avance lentement. Ça, c'est la violence. Hop là, les petits tuyaux qui vont bien. Les petits canaux de fusion. Alors, si vous n'avez pas regardé l'épisode dans lequel on fait nous-mêmes ce blueprint, ça doit vous piquer un peu les yeux. Bon, bah là, j'ai bien plombé. Ah, là maintenant, ça y est. Ouh là là! Oui, bah on va t'en envoyer plus du truc. Là, tiens, on pourrait te... Moi, j'ai besoin de stocker. Je dis ça, c'est pas pour vous embêter, mais... J'ai besoin de stocker environ 1000... Acier. Ça va gêner rien du tout, j'imagine. Bah déjà là, ça oblige tout le monde à faire le tour. On peut pas dire que ça leur fasse plaisir. J'ai laissé juste assez pour une rampe. C'était limite, hein. Y a pas assez de maintenance, c'est un truc cassé. Oui, je sais, mais je travaille à ça. Je ne t'envoyais plus de fer. Fais avec. Alors ça, c'est non, non, et c'est acier. Parfait. Est-ce qu'on a avancé ici un petit peu? Sympa. Bon, vous savez quoi? En vrai, je peux booster celui-là aussi. Par contre, il va falloir débloquer ça à un moment. Pourquoi tu fais pas, toi? T'as pas assez d'oxygène. Est-ce qu'il y a un problème dans mon oxygène? J'ai mal relié, j'ai mal fait quelque chose. Tout à fait. L'évacuation d'azote a mal été faite. Qu'est-ce que tu fais? Non, bah non. Pas non plus exagéré, quoi. Là. Tu montes là comme ça, un moment. Pas d'évacuation d'azote, plus d'oxygène, plus d'oxygène, plus d'acier. C'est triste, quand même. Tout le monde sera d'accord pour le dire. C'est quoi le deuxième truc que j'ai cassé? On ne saura jamais. Où j'ai cassé deux fois le même. Est-ce que ça vient là?
Ça fait du 1 sur 2. Et je vois le tapis qui se met à bouger. Bon alors, ferme, usine de tri, ferme, impossible de stocker la des pommes de terre. La totalité des... Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse là? On est bloqué de quoi? Oh là là, c'est tout bloqué ici. Ok, donc vous savez quoi? La truc animale, ça va virer. On va débloquer ça comme ça. Surtout le compost, ça sert à rien. Le compost, maintenant, on va le balancer. Hein, on n'a pas besoin d'engrais. Et si je fais de l'engrais, j'aurai encore plus de trucs. Donc j'aurai encore plus de trucs pour faire du compost. Ça va être l'enfer. Vous savez quoi, on va peut-être pas attendre 3 siècles. On y va comme ça. Ça fera largement le taf. De toute façon, eux, ça en brûle que 36, donc 72. Si on a un tapis de 60, c'est pas la mort. Bon, on n'a même pas le droit au tapis de 60. Ça, c'est rude. Après, je vais quand même lui demander de se mettre à jour. Pas grand chose pour qu'il se mette à jour, il fallait juste ça. Là par contre ça va être plus compliqué. Est-ce que tout est prioritaire dans ce monde? Et clairement pas que ça. Ah bah voilà, ah bah voilà, je le savais. Est-ce que j'ai mis d'autres trucs prioritaires? Non, a priori on est bon. Là, ça retourne un peu, mais pas suffisamment. Bon, de toute façon, ils vont venir me les construire. Hein. Comme par exemple là. Voilà, super, deux. Merci d'avoir fait un trajet et d'avoir dépensé toute ton essence pour ça. On s'étonne qu'il n'y ait plus d'essence. Foiré. Bon, ben voilà, ça devrait déjà décoincer un peu les trucs. Je vais te pousser, toi. Le temps que l'autre se construise. La maintenance remonte tranquillement et sereinement. Je suis sûr qu'ils sont en chemin pour venir ici, les constructions d'eux. C'est grâce à mon petit boost. Ah, on est malade. Bon. Vous en faites quoi de la construction d'eux si vous l'amenez pas ici? À un moment quand même, hein? 9, c'est pas si mal. Allez hop. Je veux juste que tu me purges tout ce qu'il y a là-dedans. C'est que c'est long. Voilà. D'accord un peu. Bon, je reviendrai l'enlever un peu plus tard. Allez. Partout ailleurs, on est bon. Ça prétend qu'il n'y a pas de carburant et ça a un petit peu raison. Donc, on va aller en racheter pour pas changer. Hop là.
Ici, ça commence à se remplir, c'est tout beau. Ici, est-ce que ça tourne? Ça tourne plus. Ça m'étonne pas. On avait dit la réserve, par contre, de l'autre côté, il y en a. Donc, go. Là, ça m'a pas l'air normal, ça. Hop. Ça m'a l'air plus normal déjà. Même si ça sera pas nécessaire. Je pense que je vais supprimer celui-là. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé là. C'est les scories. On va mettre un troisième. Qu'on va récupérer ici. C'est plus souple quand on a des grands trucs, hein. Du coup. Moi, je me vois bien. Ici. Voilà. Hop là, un ascenseur en U. Ah oui, on peut mettre ça comme ça, mais ça va pas le faire parce que d'ailleurs. J'aimerais quand même voir si ça passe ou pas. Non, tu veux pas. Donc, mais par contre, ici, comme ça. Ici, en fait. Ok. Bien les gars. Sinon je la vire, je la mets je sais pas où. Et ça deviendra votre problème. Ah, vous l'avez cherché. Hop là. Zou. Donc du coup non, parce qu'ici c'est de la pierre, c'est de la terre. Un seul devrait suffire. Bien, alors ici ça donne quoi le boost? Je peux l'enlever. Pas l'impression, hein. Là j'ai l'impression que le soja ça bloque encore pas mal, hein. On est sur la fin là. Je pense que je peux enlever le boost. Parce que bon, faut pas qu'on soit très haut en Unity maintenant. Regardez, ils disent pas qu'on manque de carburant. Il y a plus de message d'erreur. Au secours. C'est un bug. C'est très clairement un bug. Allez, hop là. Pas sûr que ça accélère parce que là on voit bien que c'est fluide. Mais à un moment, faut quand même commencer à construire. Celui-là, c'est le charbon. Va te falloir un bonhomme pour le remplir. Ça y est, tu m'en as mis 4. Hein. On en est où, nous?
On avançait lentement dans nos petits tuyaux quand on s'est demandé ce qui se passait en ville. Quand on arrive en ville. Ok, la maintenance, d'accord. Mais du coup, tu pourrais partager maintenant, non? Au moins le temps de faire quelques stocks, hein, ici. Je mets en pause 2 secondes. Bon, là, j'ai bien repris, oui, parce que l'épisode d'avant, j'ai fait une mauvaise manip. Enfin, c'est le même, hein, c'est cet épisode-là, en fait. Pareil, j'avais mis en pause au bout d'une demi-heure, mais j'ai pas enlevé la pause quand j'ai continué à tourner. C'était pas de bol. Ok. Bon, on avance dans les petits trucs ici. De toute façon, là-bas, ça tourne toujours aussi bien. Tu me fais un peu d'acier. Est-ce que tu me remplis ça? Oui. Super. Est-ce qu'on a de l'acier ici? On n'est pas en manque d'acier. Les meubles, est-ce que ça tourne? Ça tourne très bien. Ici. Ouh. Et fais-moi 10 camions de plus, et puis après tu pourras faire ta vraie pause. Dis adieu à 150 d'essence, mais bon. Oh, cette maintenance! Usine de tri des minerais, c'est plein, oui, c'est la terre. C'est ça, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas grave, je m'en fous un peu dans le sens où j'ai 2160 de minerais non triés là, donc ça gère comme on dit. Hein. D'autant plus que je me demande si t'as pas autorisé les camions à venir, voilà. Donc ils viennent ici. Et ils trichent. Et là c'est pareil, je pense que tout ça, il y a du monde qui triche dans ce coin. C'est marrant, je crois que t'étais plein. Ok. Bon. 29. Eh ben, on va pouvoir avancer ici. Là, techniquement, c'est sur le fil, hein, mais ça passe, hein. Et on a rajouté la recherche, alors ça, c'est cool. Parce qu'il était temps qu'on se lance dans la recherche, il faut améliorer notre bateau. Et débloquer les compacteurs. On en est où? C'est quoi lui? Il va rester bloqué toute sa vie avec ses trois rondins là? Oh, joli. Très bien. Très bien aussi. Non, ça c'est pas très bien. Ça me va pas du tout. Ok, continuez. On recreusera un peu de toute façon. Hein. Oh là, c'est quoi tous ces trucs tout moches hein? Bon, pour le coup, là déjà, il y a ça qui est bien. Ça, je vais pas vous retirer que c'est bien. Par contre, ça, c'est pas bien du tout, ça. Il rapplique direct les autres. C'est bien, c'est bien, c'est bien.
C'est toujours ta terre ici. Mais on va pouvoir faire un petit tapis. Ça, on est bon. Bon, faut que je refasse plus d'unités, c'est pas possible. Et en plus, les ouvriers commencent à manquer. Pour le coup, faut que je réactive la croissance. À mon avis, on a eu un petit moment où. De temps en temps, il y a des maladies, ça baisse. Parce que là, moi, je vois que des bonnes choses. On n'a plus de pain? Rigolo ou pas, hein, mais on avait complètement bloqué le pain. Et bah faut le débloquer. On va refaire un peu d'unity, mais ça va pas forcément nous en apporter tant que ça. Économiser la nourriture, je dois le garder. Là, on est bien sur l'unity. Pourquoi est-ce qu'on en perd autant? Les 5 décrets, ça me va. La plateforme, les 7 boosters. Et je vais réactiver un petit peu le labo. Ouais, mais les boosters, ici, faut les enlever. Voilà. On récupère un 50. Le recyclage, ok. C'est pas une bonne chose. Ça va bloquer mes labos. Ça va bloquer mes labos. Oh là 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 là. Après tout, n'était-ce pas ce que l'on souhaitait? Ça va être une catastrophe. D'autant plus que j'ai pas lancé le compacteur tout de suite. Oh là là. Faut que je les compacte. Je vais pas me balader avec ça là. Combien d'heures de recherche avant que le compacteur il arrive? Encore on manque de carburant. Ça c'est pas grave. En tout cas, je suis très content. La maintenance est légère. Là, l'acier, c'est toujours pas bon. Là, on est plein. Je pourrais mettre un petit peu d'unity. On est limite en charbon, hein. Il n'y a qu'un gars qui va chercher aussi. Tous ces tuyaux servent à rien, je vais pas faire d'acier pour l'instant aussi. C'est quoi ça? Ça c'est un problème. C'est clairement un problème. Une arrivée d'eau. C'est confirmé, c'est bien une arrivée d'eau ça. Mais ça, c'est quoi ça? Ce truc-là. C'est les gaz d'échappement. Et du coup, c'est relié à quoi ça? Au gaz d'échappement. Et studio, c'est quoi? L'oxygène, c'est ça, il arrive ici. Ah, il y a un problème là. Ça, c'est l'oxygène.
Mais toi, t'es relié deux fois à l'oxygène. Le gaz d'échappement, c'est celui-ci. L'oxygène, c'est celui-ci. C'est plus clair. Ici, est-ce qu'il y a aussi des erreurs? J'ai l'impression que non. T'as été corrigé en tout cas au pire. Ah, j'aime bien quand tous les petits tuyaux commencent à être faits là. Ouais. Là, on commence à être. Oh! Joli. Pour le coup, il manque plus que ça. Oh, c'est intéressant ça. Attends. Parce que ça n'existe pas, ça, normalement, je crois. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait monter comme ça. Pratique. On peut faire un cinquième si on descend direct derrière. Ok. Comme quand on joue à saute-mouton avec les trucs. Ça marche, ça marche. Ok. Usine de tri bloquée. On va en reparler. Parce qu'à mon avis, c'est la pile. C'est le minerai. Bah, le minerai, c'est plutôt bon pour le coup. C'est plutôt très exactement ce qu'on veut voir bloqué. Bien. Mon acier. J'espère qu'il s'est bien stocké. La recherche se fait tranquillement. Mais elle va bloquer. Parce que si on lui sort pas des pattes les matériaux recyclables, elle va bloquer. Mais bon, là, j'ai bientôt fini ici. On va pouvoir lancer l'autre côté. Qui est quasiment prêt. On ne fera pas encore beaucoup d'acier pour le coup. Mais on va pouvoir démonter le premier. Est-ce que c'est bon signe ou pas bon signe ça? C'est pas super bon signe. Parce que c'est pas plein là. Du tout. Même si j'ai du mal à comprendre. Qu'un côté fonctionne plus que l'autre. Ok. Là, ça marche plus. On reçoit pas de charbon. Je vais en mettre un deuxième, mais je crains que ce ne soit pas le problème. Selon moi, il n'y a plus rien là. Parce que ça s'est bloqué par la pierre. Ça devrait aller.
Ils viennent la chercher, la pierre. Allez, go, go, go. Parfait. Eh ben moi je vais arrêter ici. Voilà, c'est terminé. Escorie aussi. Petit à petit, tout va s'arrêter ici. Voilà. Je vais amener mon tuyau d'eau. Ça, c'est un peu la même chose ici. C'est exactement la même chose. Je vais expulser mon azote. Je fais encore un peu attention à mon outil. Voilà. Nous y voilà, tout ça c'est fait. Donc on est prêt à démarrer là. En vrai, j'ai pas encore relié l'eau par contre, mais l'eau c'est pour le refroidissement, donc a priori, pas de souci à ce niveau-là. On va lui dire de d'amener ici. Donc on voit que ça monte, c'est parfait. Les camions, c'est en train de sortir. Là, ça prétend qu'ils sont encore bloqués, mais c'est parce qu'on consomme pas assez. Le problème, c'est que ça me met une alerte quand c'est bloqué. C'est assez pénible. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire livrer avant, évidemment. Donc, pour le coup, on aura des alertes toute notre vie. J'ai bien l'impression. Et si? Voilà. Déjà on tripue. Et me refait le coup du carburant. C'est mesquin. Super mesquin. La collecte de biomasse, on verra ça plus tard. L'usine de tri des déchets. Ferme de poulet. L'usine tri des déchets, bah, elle va venir dans le coin. Mais apparemment, on n'a pas fini ici. Bah, déjà, on va commencer par recouvrir. Oh, le coût du carburant. Bon, on va y aller, mais là, ça va être un peu chaud. Parce qu'il n'y a plus que 3000, effectivement, hein, je m'en doutais. On va se calmer. Parce que si on tombe en panne de charbon, tout s'arrête, l'électricité s'arrête. C'est pas mieux que le carburant. Mon carburant, en tout cas, il tourne, hein. Y a pas de souci, les labos aussi, ceci dit, lentement mais sûrement.
On va retourner ça. Et débloquer celui-là. C'est pas qu'on ait trop d'unity. Ça, de toute façon, ça va pas tarder à s'arrêter. Mais là, on produit plus rien depuis un moment. Pas de charbon. Ah, c'est un vrai problème, ça. Allez, mec. Il en faut plus, quand même. Donc, à un moment, là, 8, hein. On va aller chercher une autre excavatrice. Hein. On peut pas dire que ça avance très vite ici. Mais ils ont bientôt fini là. Alors pour le coup, ça va marcher. Ah, j'ai rien dit qu'on pouvait déposer ici, c'est ça? Je leur ai pas dit qu'ils pouvaient. Ben maintenant ils savent. Là, on voit que ça dépose des déchets parce qu'avant il y avait du 1 là. Du coup, j'aimerais bien aller voir là-bas parce que il y a de la belle route. Mais oui. Ben oui, ça avance. C'est un peu profond, mais ça avance. Hein. Pour le coup, après on pourra remplir ça si vous voulez, ça fera joli. Vu que de toute façon, il faut que ce soit tout plat. Pourquoi j'arrive pas à mettre du C2 de côté? Ah, parce que je le réclame en urgence. Ok, maintenant je vais débloquer ça et ça. Qui sont aussi avec du C2, qui sont pas urgents. Du coup, t'en es où toi avant de te lancer là? T'en es à mi-chemin. Là, je vois bien que ça tourne pas, ça fait pas de fumée, donc arrête de me gaspiller tout ça. Et explique-toi. C'est la même histoire, c'est le charbon. Tout le monde veut plus de charbon. Gna gna gna. Parce que là, on fait tomber de la terre, en fait. C'est ça qui vous dérange? Ouais, je me vois pas mettre de priorité ici. Ça serait histoire de me retrouver sans énergie, quoi. Surtout qu'on consomme pas mal et qu'il nous faut les deux côtés. Mais j'ai l'impression que ça remonte ici. Ben voilà. Ok, je comprends un petit peu mieux l'histoire de la Terre qui veut pas s'en aller. Camion aussi, il avait pas forcément beaucoup de boulot. Là, il y a juste ce qu'il faut pour que les camions y passent, hein. Faut pas qu'il soit trop vénère, hein. C'est le camion de qui, ça? On a deux ici? On fait pas tant que ça de pierre, hein, tu sais. Pour le moment.
va payer. Ah, ils sont partis. Ah, ils vont revenir. Ou alors ils sont venus là, tiens. Tout à fait, ils me l'ont construit. Merveilleux. Ça va nous soulager. D'autant plus que là, ça va s'arrêter ici, hein. On est d'accord. Tout ça va plus tourner là maintenant, hein. Même là, ça sent la fin. Ok, ça y est, il va se mettre enfin à bosser, lui. C'est pas trop tôt. Ici, ça donne quoi? Bah ici. Déjà, ça a rebouché, c'est joli. Et on approche du bout, mais on n'y est pas. Ok. Alors, l'usine qui a la sortie pleine, c'est pas ici. C'est le charbon. Qui gueule sur la terre. Ça m'étonne pas. Ça me dérange pas de te mettre du monde. Le seul truc, c'est encore une fois le carburant. On va encore une fois essayer d'aller là, mais... va pouvoir finir ça. Voilà. Tout le reste après c'est du C3. Hein. Et il nous en manque 40 et on en a 8. Hein. À peine une trentaine. Et ça devrait s'accélérer puisqu'on va arrêter de prendre du C2 et de prendre de l'acier là. Ça va s'accélérer quand on aura relié l'acier parce que pour le coup, si là ça fait plus d'acier. Hop là, on n'en voit plus d'acier là, si un petit peu quand même. Ce que je pourrais faire, c'est couper ça déjà. Allez, un petit. Convoyeur. Le poste de commande, l'amélioration du réservoir de carburant, on va y arriver.
à faire nos petites recherches et avoir boosté le truc. Très lent, hein, parce que effectivement plein de construction 3, et puis justement on est parti, on n'avait plus de maintenance, plus de carburant, le carburant on est toujours très limite. Mais au moins on a stabilisé pas mal de choses. Ici ça déverse toujours. Ah ici tiens. Va pouvoir faire ça. Oh. Parfait. J'ai l'impression que là, ils sont en train de faire la rampe et qu'on a bien avancé. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir finir. Ou pas. Ici, par contre, je peux finir. Parfait. Bon, là, ça a bien avancé. Par contre, de toute évidence. Vivement que je récupère mes pelleteuses. Par contre, pourquoi il me fait pas les deux derniers camions? Vas-y, explique-toi. Pas de verre. Hop, 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 hop. Ça va être un problème, ça, pour les meubles. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pourquoi pas de verre, alors? Pourtant, j'ai l'impression que tout tourne bien là. Il a dû y avoir un petit coup de mou dans les camions. Là, il se sent mieux. À vue du dessus, on voit bien quand même que c'est un peu le chantier là, temporairement. Moi, ce qui me manque, c'est les trains. Bon, mais les recherches se font. Pour l'instant, parce que ça va pas tarder à me dire, ça aussi. Attends, tu continues à rechercher là ou tu es bloqué? D'accord, mais tu fais plus de recyclage. Ah, c'est bien, ça bloque plus. C'est pas comme avant. Ah, il n'y a plus l'urgence du recyclage là. De faire ce truc infernal là. Ah bah c'est bon ça. Voilà. C'est la fin. Ici. On va être remplacé par là. Alors c'est pas sûr qu'on y arrive, hein, parce que on n'en voit pas d'acier. À un moment, sans acier, il va refuser, hein. Mais techniquement, j'en vois encore de la scie. Il n'y a pas de raison de penser que ça marche pas. Ok, vérifions que ça sort. Ça reste juste magnifique. Donc maintenant, il faut débloquer ces deux-là.
Et comme ça, on tournera à plein rendement avec le boost ici. Parfait, parfait. Je crois qu'on a fini. Actuellement, on n'envoie plus d'acier, il faut penser à ça, hein. Là. Hop là. Parfait. Bon. Le fer. Allons-y. On va commencer déjà par ça. Très bien. Donc, ascenseur à plat. C'est quoi la blague? C'est bien ça? Dans l'idée, moi je monte ici. Dans l'idée, je monte plutôt ici. Attends, attends, attends. Pourquoi tu veux monter? Reste sur du 3. Mets-toi là. Mets ton petit truc en dessous. Juste là et après tu montes. J'ai raté mon coup, j'ai raté mon coup, je me suis mis en face du cuivre. On recommence. Descends d'un cran. Mets-toi là. Et monte ici. C'était laborieux, hein? Parfait. Mise à jour de celui-ci. Ça, c'est pour le cuivre. Très bien. Ascenseur à plat. Parfait. Convoyeur 2. Non. Convoyeur 2. Pourquoi ils ont appelé pareil? Pourquoi convoyeur et convoyeur en U? Sérieux, quoi. Voilà.
3 fois rien, 41. Mais ceci dit, en échange, je peux dégommer ça. Rien à voir, hein, j'imagine, mais bon. Et ça. Et ça. Il n'en aura pas une réserve totale que j'espérais, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que t'en fais là? Pourquoi tu veux me le piquer? Ah non, tu démontais le truc en dessous, excuse-moi, j'ai rien dit. Il s'est peut-être senti un petit peu agressé. Oh, le joli convoyeur de cuivre qui est en train de devenir poum, rapide. Ça, c'est la beauté du geste. Tour de contrôle, quand on me dit qu'il n'y a plus rien à faire, j'adore. J'adore et j'adore. Ça, c'est beau. Oui, ça c'est des petits correctifs après. Ça c'est pour mon recyclage, donc pour le prochain épisode. Parce que là, de toute façon, j'ai pas débloqué le compacteur, donc je peux pas me lancer. Donc, toi, je suis super content. Parce que vous allez venir ici. Alors, ça va plomber l'ambiance. À mon avis, ça va plomber l'ambiance. Mais bon, allez. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et on n'a plus d'endroit où déverser de la terre, parce que ça c'est fait aussi. Excellent. Donc, on va rechanger. Elle va gérer ça. C'est raté complètement. Parfait. Et toi, tu vas autoriser qu'on décharge du compost, des déchets, des scories boyées. Du gravier, du sable, de la pierre bien sûr, comme ça on va pouvoir décharger la pierre qui est juste à côté. Ça va nous soulager. Voilà. Du coup toi, dans ta zone d'édition, on va reculer un petit peu. Je vais me mettre ici comme ça. On va aller moins loin là. C'est un fait. Par contre, on n'a pas d'endroit où décharger de la pierre, de la terre. Du coup, on va quand même pouvoir en décharger ici aussi. Alors, du coup. Allez, hop. Ah oui, ça manque d'un cran quand même, hein, on est d'accord. Vous avez parfaitement raison. Ça manque d'un petit cran supplémentaire avec une petite zone de dépôt supplémentaire. Go. Mettez-moi de la terre, mais mettez-moi aussi tout ce que vous voudrez. Tant que c'est à hauteur 3, hein, par contre. Allez. Aplanissez-moi ce monde. On n'a même plus la moindre alerte. Ah, la maintenance qui se casse la figure. Ouais, mais la recherche, elle avance. Alors, je m'en fiche. Ça part où, ça, les C2? Dans les tapis? Ouais, mais comme c'est le tapis d'acier et que du coup, t'as pas d'acier, c'est pas grave, on peut tricher. Regarde, hop, boum. Où qu'il est mon acier? Et chez Bibi. Et puis chez Bibi aussi pour le coup. Ça y est, je suis bien plein là. C'est pour ça qu'on faisait plus de C3, mais qu'on faisait aussi probablement plus de meubles. Surveillons notre Unity. C'est vraiment pas beau ma cheminée là, les petits trucs rouges comme ça, dès que je choisis une construction et je vois toujours des constructions.
Tu me refais le coup de l'essence, ça me convient, j'ai pas peur. C'est encore ça qui manque. Faut que je les upgrade en usine 4 ou quoi là? Pourquoi tu tournes pas toi? Oh. Quelle est cette blague? T'as vu que ça va aller mieux maintenant? Et 24, 48, ça va passer. Et voilà la maintenance maintenant. Et voilà le fer. Et voilà l'acier. Ah bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher le dernier. On s'était promis de le faire. Avant la fin de l'épisode, il faut donc qu'il arrive. Alors là, je vais laisser un espace pour que les camions puissent circuler de chaque côté. Donc voilà. S'il y a trois ici, c'est bon. Sauf qu'évidemment, là, il n'y a pas trois. Donc ça me plaît pas. Donc là, il faudrait que je mette un... passage. Hop là. En fait, je vais le mettre comme ça. Et je vais tortiller en dessous. Allez, on y va. Ça y est, on a notre amélioration et j'attendais avec impatience ce compacteur. Le voilà qui arrive.
Yep. Yes, 30. Et celui-là, il est déjà en train de se faire. Oh non, mais. Trop de la balle. Faites-moi ça! Faites-moi ça! Il va falloir débloquer un peu plus d'acier quand même, hein, à mon avis. Donc, on va débloquer ça et ça, je pense. Bon, attends, là, ça sature, là, c'est quoi la blague? Oh mon de Zeus! Donc, j'ai pas besoin d'en faire plus. Détends-toi ici. Par contre, clairement, il va falloir faire ça et ça. Bon, mais j'ai atteint mon premier objectif, l'upgrade du bateau. Donc ici, là, moi je vais casser ça. J'imagine que t'as reçu l'acier. Sérieux? Non, il est là. T'as pas reçu l'acier? Il est parti où? Il a reculé ici. Mais non. Il est parti un peu partout. Il y en a qui est parti ici. Mais non, mon acier. S'il vous plaît. Ouf, où est passé l'acier? Pas cool. Bon, là toujours, hein, il est quelque part. Il est quelque part dans le void, mais il est quelque part. Bien, ici, en tout cas, on est quasiment prêt à balancer plus d'acier, pour le coup. Pas si nécessaire. Et le cuivre arrive. Yes, je vois le cuivre passer. Du coup, Bibi, t'as plus besoin de t'occuper de ça. Et du coup, Bibi. T'as plus besoin d'en amener. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. On est bloqué en acier, en fer et en cuivre. C'est exactement ce que j'avais prévu pour l'épisode. Et exactement à la bonne minute. En plus, les compacteurs sont pas loin. Ça, j'aurais aimé les avoir. Mais c'est pas grave. Et ça, j'aurais aimé le débloquer. Mais c'est pas grave. Parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Et que c'est en train d'arriver à grande, 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 très, très grande vitesse. Très, très, très grande vitesse. En plus. Ah, par contre, non. Ça a l'air de bloquer ça. Bon, mais comme ça fait 1h30, on va devoir s'arrêter là. Écoutez, là maintenant, c'est bon. L'essence, on a réussi à tenir bon. De toute évidence, là maintenant, ça y est, on sature complètement en cuivre, en fer, en acier. Et on est loin d'avoir mis tout là-dedans. Après, on tourne un peu à l'Unity. On pourra éventuellement rajouter du cuivre si on le souhaite. Notre foresterie, elle marche très bien. Notre mine de charbon, on voit que ça remplit. Notre mine de verre, eh ben c'est plein. Ici, ah ben la montagne, elle est partie. A pu la montagne. Donc, et là, ça m'a fait mon petit passage. Et là, on a dégagé la zone dans laquelle on va faire notre recyclage au prochain épisode. Et d'ailleurs, au prochain épisode, on va sûrement aller aussi miner tout ça. Mais d'abord, on va finir de miner ça pour pouvoir remettre la terre de là-bas ici.
Et puis bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et à tout de suite pour la suite.